Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'histoire. Aujourd'hui, nous poursuivons notre rencontre avec M. Roger Lafrance. Rebonjour, M. Lafrance. Bonjour. Aussi, on parlait des voyages. Une fois que vous avez pris votre retraite, vous avez voyagé. Oui. À quel endroit vous êtes allé? Je suis allé en Europe, en France particulièrement. Mmh. Moi et ma femme, on est parti dans les années... Arrêtez un peu. On a pris ça... 180, moi j'ai sorti, on avait dit en 85, ouais. J'ai pris ce voyage-là en 87. Ah oui? On a parti 5 semaines. Ah oui? Puis on a loué une auto. Notre trajet était tout prêt. On a fait le tour de la France. La France? Oui, juste ce pays-là. On a été à Strasbourg, on est descendu à... dans le sud de la France, à Nîmes, à Avignon, à Nice. On a remonté dans les châteaux de la Loire. Après ça, on a été à Saint-Malo. Puis ça, c'était la 4e semaine. Ça. On était là, à Saint-Malo, en Bretagne. Ouais. Après ça, on s'était en allé à Paris. Puis on a laissé l'auto là. On a passé une semaine à Paris à visiter. Oui, ça prend presque une semaine de visiter Paris. Ah oui, puis c'était pas trop, hein, le Louvre, puis Notre-Dame de Paris, puis tous les musées qu'il y avait là. Oui, il y a beaucoup de choses à voir en France. Oui, oui, oui. Êtes-vous allé où est-ce qu'il y avait en Normandie, où est-ce qu'il y a eu le débarquement? Avez-vous passé dans Nous autres, moi, j'ai fait plutôt un voyage en même temps de généalogie. Ah, OK. Oui, moi, j'étais intéressé à ça. Ouais, on a été à l'endroit où que mon ancêtre était, à Saint-Potin, en Bretagne, près de Matignon. Puis ma femme, elle, était en Perche, les Gognons. Puis il y avait les Bretons aussi à Dinan. Les Bretons, ça, c'était des Élis, ça, autrefois. Comme nous autres, la France, c'est des Dubois. c'est ça. Ouais, on va parler de ça tantôt un peu plus loin, de la généalogie. Ouais. Les autres, vous êtes allés à quel endroit, les autres? Les autres, j'ai été à Cuba. On a été 15 jours à Cuba. On a été 3 semaines en Espagne. Ah oui. Après ça, l'Espagne, le sud de l'Espagne, c'est formidable à faire ce voyage-là. Je conseille ça à beaucoup de monde, de faire un voyage-là, à cet endroit-là. Parce que l'Église a existé jusqu'à l'an 500. L'Église catholique a rentré en Espagne. OK, oui. Puis avant, le sud de l'Espagne appartenait aux musulmans. Puis moi, ça m'intéressait parce qu'on voyait la différence. L'Église catholique s'est emparée jusqu'au sud, jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à Gibraltar. On avait visité en même temps Gibraltar quand on est allé là. Mais là, c'est l'Église catholique a fait des hôtels dans les mosquées. C'est tout du marbre partout. Ah, ouais. Des fresques épouvantables. C'est tellement beau. Je conseille de visiter ça, c'est tellement beau. Il y a des jardins là, musulmans qui ont fait. Là. C'est incroyable ce qu'il y a là, des richesses épouvantables. Ah oui, oui. C'est beau, oui. En Espagne. C'est très... 3 semaines, là, ça vaut la peine. Ça valait la peine, oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ensuite, vous êtes allé ailleurs? Oui, on est allé à la République dominicaine, à Cuba, comme je vous l'ai dit. Oui. Après ça, ma fille avait acheté un condo en Floride avec son mari. Ça fait qu'il n'y allait pas, il était pas l'hiver, il allouait, puis des fois, il y avait de la parenté qui allait. Ça fait qu'ils ont dit, allez-vous-en là, après les fêtes, puis vous y reviendrez quand vous serez fatigué. Ça fait qu'on passait, après le jour de l'an, moi et ma femme, on partait, puis on s'en allait au condo en Floride. Mais on a fait ça quasiment 6-7 ans. Ah oui. Avec votre auto? Les premières années, on faisait ça à l'auto. Ouais. Puis en dernier, ils nous fournissaient l'auto. Ah, OK. Puis nous prêtaient le condo. Ça, comme vous voyez, on a été gâtés. Bon, ouais, comme on disait dans l'émission précédente, là, vos enfants vous ont gâtés. Ils gâtaient beaucoup. Puis on entretenait le petit condo qu'il y avait là. On peinturait, on faisait des petites réparations qu'il y avait à faire. Puis, on a été là 6-7 ans, certains. Ah, oui. À la fin, c'était l'avion. On prenait l'avion. C'était 3 jours de descente. Mais là, vous veniez juste quand vous étiez fatigué. Ça prenait du temps avec les fatigués, des fois. On venait au mois d'avril, juste avant Pâques. Ah, OK. On passait Pâques ici.
Si on parlait maintenant de la retraite, on dit que vous avez voyagé durant votre retraite. Oui. Mais vous avez fait d'autres choses depuis que vous êtes à votre retraite. Là, oui. À part, bon, parlons pas de généalogie parce qu'on va en revenir dans notre prochain oui, point. Là. Oui. Vous faites du conditionnement physique parce que vous êtes en, oui. vous êtes en forme. Pour, ah, oui. Ah oui, ah oui. Puis j'en fais encore. Ah oui. À ma retraite, moi, quand j'ai pris ma retraite en 85, en 86, mon garçon, il a dit, papa, il dit, tu vas venir avec moi. On s'est en allé au collège, puis il dit, je vais te présenter, il dit, M. Lortie, Robert Lortie, ouais, ben, qui s'occupait oui. de la salle de conditionnement. Il dit, mon père, là, il dit, je te le confie, puis il dit, il va faire du conditionnement, là, il dit, tout l'automne puis le printemps. Puis il dit, surveiller pour qu'il fasse son conditionnement comme il faut. C'était pas supposé être pour longtemps, ça arrête-tu? Non. Moi, c'était juste pour le mois de septembre, octobre, novembre. Puis après ça, j'ai recommencé dans le mois de janvier, février, mars. Puis ça fait que depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Ça fait presque 30 ans. Hein? Là, ça s'en vient sur 25 ans 25 que ans? Je fais ça. Ah ouais. Ouais. Je vais le lundi, puis le mercredi, puis le samedi. Le vendredi, quand il arrive de la visite, le samedi, bien, j'y vais le vendredi. Ça commence ma semaine le lundi. Ça commence la semaine le lundi. Ah ouais. Ah ouais. Tout le monde me connaît. Ah ouais. Ouais. Tout le monde me connaît à la salle de conditionnement parce que j'ose avec tout le monde. Oh, puis, ouais. J'étais un peu clown, hein, un peu. Puis, ouais, vous avez une bonne humeur, vous avez... Puis je suis toujours de bonne humeur, puis je parle à tout le monde, puis je fais mon conditionnement. J'ai bien de la misère à faire mon conditionnement à cause de ça. Vous êtes connu à grandeur du cégep aussi, un peu aussi. Je dirais pas juste dans la salle de conditionnement, je pense que dans le cégep, Roger Lafrance, il est connu. Ah oui, ah oui, je parle à tout le monde. Comme si vous aviez travaillé là, puis vous n'avez pas travaillé ici. Il me demande tout le temps, est-ce que vous avez travaillé ici? Non. J'ai pris ma retraite, puis c'est mon lieu de rencontre des personnes. Pas mal. Vous avez fait du vélo aussi? Oui. Parce que je fais encore du vélo. Ah, ouais. Oui, c'est mon deuxième vélo, là. Ah, ouais. Oui. Je fais du vélo, puis je pars de chez moi, puis je monte à Thetford ici. Puis quand des fois, dans l'été, là, je fais deux, trois, je dirais, de parcours, là. Je pars de chez moi, puis je monte jusqu'à Robertson, puis je m'en retourne. Ah, oui. Oh, mon Dieu, c'est bon. Ça fait 42 kilomètres. Ah oui? Oui. Je fais ça deux, trois fois dans... Ah oui. Oui, on voit que vous avez une bonne santé. On voit que vous êtes encore... c'est l'activité qui vous tient en forme de même aussi. Bien, c'est à cause du conditionnement que je fais. Parce que si je ne ferais pas cette salle la salle de conditionnement physique, là, je serais handicapé peut-être. Oui, à un moment donné, on devient plus sédentaire, on fait moins d'exercice. Parce que je fais de la musculature des jambes, puis des bras, puis même de la bouche. bon, si on parlait maintenant de votre passe-temps préféré, la généalogie, ça fait plusieurs années que vous faites de la généalogie. Oui. Je suis rentré, moi, à la généalogie, j'ai connu ça en 80. Puis après ça, j'ai continué à en faire. Puis en 85, quand j'ai pris ma retraite, là, j'ai rentré à la géologie. Il n'y avait pas le Vachon. Oui. Puis il y avait Léandre Pomarleau qui s'occupait de la bibliothèque dans le temps. Parce qu'il n'y avait pas de société encore. Il n'y avait pas de société. La société a été fondée en 88. En 88, Paul Vachon puis Léandre ont dit qu'il faudrait bien partir une société. Puis je jouais tout le temps avec eux autres. Moi, puis je parlais de ça. J'ai dit, je vais faire une affaire avec vous autres. Je vais monter à Québec. Je vais aller chercher une charte. Vous autres, là, vous allez préparer les noms que vous voulez mettre en direction. Je suis monté à Québec, puis je suis allé chercher la charte. Puis je suis revenu avec la charte en 88. Puis c'est là que la société s'est fondée. Depuis ça, là, je passe mon temps là. Oui, vous siégez encore sur le CA de la société. Ouais. On a fêté les 20 ans l'année en 2008. Oui, ça fait assez longtemps. Là. Assez longtemps. que je fais partie de la société. Vous travaillez sur quel sujet? Ben, vous travaillez sur votre famille, mais est-ce qu'il y a d'autres... Mon grand-père, je ne sais pas si c'est un défaut chez moi, mais à toutes les morts du soir, je m'en vais là. Okay. À 6h, 6h15, je m'en vais là. Puis je ressors vers les 8h le soir. Puis là, c'est d'aider les personnes qui vont venir. Mm.
Puis c'est gratuitement que je fais ça. Oui, on sait que t'es très... Vous êtes, je veux dire vous, parce que... oui. Parce qu'en extérieur, on dit... je peux m'appeler Rory. Oui, on sait que vous donnez beaucoup de temps là, pour les gens. Ça me fait plaisir, faire ça. Puis au mois de janvier, on est toujours dans la deuxième session, toujours des étudiants. Oui. Fait que vous êtes encore présent le jour avec les étudiants. Aider les étudiants à trouver leur famille, à remonter leur ancêtre. Moi, ça, c'est un plaisir pour moi. Puis j'ai fait un volume sur ça, l'ascendance des familles de la région. Je n'ai pas fait... j'ai fait un volume qui est assez... Il est très épais. Il y a 740 familles là, de partir de personnes ici de la région en montant jusqu'au début de la colonie. Mais là... J'ai une banque chez moi, là, que je pourrais... Faut que je donne ça à la société, là. J'ai une banque, là, de tout près de 2000. OK, oui. De familles. 2000 familles. 2000 tableaux, c'est des tableaux? Des tableaux. Des tableaux généalogiques, de l'ancêtre jusqu'à aujourd'hui. Comme moi, mon père, mon arrière-grand-père, jusqu'à remonter... Jusqu'à l'ancêtre. À l'ancêtre. Jusqu'à l'ancêtre. Oui. Vous avez consulté, depuis le temps, vous avez consulté beaucoup de documents, les actes notariés, les recensements. Les actes notariés, les donations, les actes de mariage, les contrats de mariage, les naissances, les baptêmes, les sépultures. On a tout ça à la société. À la société puis à la généalogie. La bibliothèque, c'est formidable que la société soit affiliée au cégep parce que. Franchement, c'est un apport au collège qu'on donne. Parce que on se trouve à amener du monde, la société se trouve à amener du monde à s'intéresser aux choses de sa culture. Il faut avoir fait le tour dans le local, il faut avoir utilisé les microfilms, les recensements pour voir toutes tout ce qu'on a. Les documents qu'on a, les volumes... c'est inimaginable ce qu'on peut avoir. On a toute la série d'hommes pour les Drouins. Oui. Ça, c'est une somme épouvantable que la ville de Thetford, puis la bibliothèque, puis la société ont collaboré à acheter cette série-là parce que beaucoup de sociétés ont ça. Les grosses, peut-être, comme Montréal, Québec. Oui, Montréal, Québec ont ça. Parce qu'ils ont des gros, ils ont des fonds. Oui, c'est ça. Mais, c'est une rareté que la Société géologique de Thetford ait ça. Moi, je dis que c'est un apport très, très, très... C'est la masculine qu'on appelle? La masculine. Ouais. La féminine. Bon, je pense qu'on a eu la féminine aussi en CD, on a eu en cadeau. M. Jean-Pierre Pépin lors du congrès. Oui. On avait eu ça. Oui. On a une bonne richesse, là, en fin de compte, dans le local. Oui. On a toutes les notaires inimaginables qu'on peut... de la colonie. Vous avez travaillé, à part le volume sur les familles, vous travaillez surtout sur la France. Dubois dit la France. vous avez travaillé surtout là-dessus. Oui. Moi, ma passion, là, c'était de faire la mienne pour commencer. Puis j'ai fait ma famille. Après ça, j'ai fait celle de ma femme, tous les Bretons. Ensuite, j'ai dit, je vais faire celle de ma mère, c'est la France sur côte. Puis, vu que j'avais fait Breton du côté du père de ma femme, j'ai dit, je vais faire les Gognons parce que ma belle-mère, c'est une Gognon. Alors, j'ai fait les Gognons. Wow, on commence petit. Puis j'ai à peu près 8 volumes. De 4 pouces de fait sur ça. Tout ramassé ça. Tous les documents, les photos, chez moi, ça, là. Ça fait une belle richesse à laisser à vos enfants, vos petits-enfants. Oui. Puis à l'arrière, vous avez une arrière, des fois, ça va aller jusqu'à l'arrière. C'est plaisant pour eux. C'est plaisant, ils vont avoir une bonne richesse. Oui. Puis quand vous êtes revenu, vous avez revenu dans les Dubois plus, parce qu'à un moment donné, vous avez publié un volume. Sur du genre de dictionnaire, c'est un dictionnaire. Sur la famille Dubois. C'est arrivé curieusement parce que moi et ma femme, on a été un an à Toronto. Ma fille a été étudiée à Toronto. Ah, OK. Un an à l'université de York. Puis on restait là.
J'ai dit à ma femme, moi, je ne suis pas capable de rester dans la maison, rien faire. Ouais, ouais. Alors, je suis descendu à la bibliothèque, à la library, comme ils disent en anglais. Puis, je suis rendu là, puis j'ai fait tous les Dubois qu'il y avait dans, cette, dans le PRDH, qui appelle. Ouais. Ça commence au début de la colonie jusqu'en 1700. J'ai ramassé tous les Dubois qu'il y avait dans ce dictionnaire-là. Ouais, ouais. Puis j'ai fait un volume décrivant un peu de chaque famille, qu'est-ce qu'il y avait. Alors, ça commence par François Dubois, puis Anne-Guillaume. En allant jusqu'à... En 1700, là, vous avez toute la documentation de ce Dubois-là que j'ai ramassé du PRTH. Ah oui. Ça a été un travail d'un an à peu près. Là, quand j'arrivais ici, ben, je l'ai mis sur l'informatique. Ouais. Puis là, on a publié. On a publié. Là, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez publié d'autres volumes? Ou vous êtes en... Ben, au moment où l'émission va passer, là, vous avez... Oui, je suis ça devrait probablement être publié. Là, là. Oui, je suis prêt à travailler après un autre volume. Là, là j'ai ramassé tous les Dubois, la France, via de la région de Mécantic. Ah, OK. Ça, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur ça. Alors, ça part de Saint-Nicolas, en ligne directe, ça s'en va à Sainte-Marie... Je ne l'ai pas trop développé à ce moment-là. Ça en va à Saint-Ferdinand. Mais à Saint-Ferdinand, là, j'ai commencé à faire comme un genre de tentacule de piouf, comme on pourrait dire, des familles. Des familles, oui. J'ai ramassé toutes les familles qui avaient des Dubois, la France, la région de Mécantic. Parce que mon arrière-grand-père, c'était Firmin Dubois dit la France. Mmh. Était marié avec une de Rouen, Drouin. Ouais. Puis il est décédé à Saint-Ferdinand. Puis mon grand-père était Firmin, puis il est marié avec une vénérance patrie. Puis tous les frères de mon grand-père, je les ai tous ramassés avec tous les enfants. Ah oui? Puis j'ai ramassé les baptêmes, les mariages, les sépultures, les achats de terrain, les ventes de terrain, il n'y a pas des donations. J'ai tout cherché dans toute la question notariée. Là, je n'ai pas assez pas mal. Ouais, vous n'avez pas juste dû, pas juste à tête forte. Vous avez dû aller un petit peu à l'extérieur pour trouver des renseignements. Peut-être est-ce que vous êtes allé à Arthabasca. Il y a un bureau d'enregistrement. Oui, mais je n'ai pas mal trouvé. J'ai été à Arthabasca aussi, puis j'ai été à Québec pour d'aucune affaire. Mais j'ai trouvé... pas mal ici. Ah oui? À Tapfer. Parce qu'à La Sarra, on a une banque de testaments puis de des rôles d'évaluation. Oui, des rôles d'évaluation qu'on ne connaît pas dans la région. Puis si les personnes de la population pourraient aller là, visionner ça, la banque de notaires qu'il y a là, c'est formidable ce qu'on peut trouver. Des achats, des ventes, des testaments qu'on peut trouver à La Sarra. Puis moi, j'ai tout ramassé ça. Du côté des Dubois, la France. Ouais. Puis je suis après bâti mon volume. J'étais rendu un petit peu trop loin. Alors j'étais obligé de couper dans le travail un peu. Parce que ça va être un volume d'à peu près de 460 à 480, peut-être. Ah oui. Le volume va appartenir. C'est tous les Dubois, là. Il y a Dubois qui existent avec leurs enfants aujourd'hui, là. Oui. Vous avez petits-enfants, en plus, là. Oui, oui. C'est encore... C'est intéressant pour les personnes Dubois, la France. Oui, pas juste pour les gens de votre famille. Hein. Non. Pour les moi, Dubois, j'ai toutes les lignées. Ouais. Ça se trouve un cousinage qu'on appelait à l'heure actuelle. C'est tous des cousins, les Dubois, la France. Quand on parle de Dubois, la France, là, dans la région, là, c'est des cousins. Oui, puis pour continuer là-dessus, par rapport à tout ce que vous avez fait depuis de nombreuses années en généalogie, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie vous a remis l'année dernière la médaille de reconnaissance pour votre travail, pour l'ensemble de votre travail, en fin de compte. Ils nous avaient soumis à l'exécutif de la société le nom d'une personne, puis... On l'avait pensé immédiatement à vous, M. Lafrance. Puis ça a été entériné par la Fédération. Oui. Fait que vous avez, c'est à Trois-Rivières, lors du congrès, que vous avez reçu cette médaille. Ce certificat puis cette médaille-là. Mais je remercie beaucoup la Société géologique de Thetford
d'avoir reconnu ce travail que j'ai fait pour bénévole, parce que c'était un passe-temps en même temps pour moi, puis c'était un plaisir de le faire. La fédération vous a honoré, et la société de généalogie aussi, parce qu'au moment que l'émission va passer, vous allez avoir reçu le prix Cléophas Adams-Robbenheimer, qu'on remet à chaque personne qui fait la promotion de la généalogie et l'histoire dans la région. Il y a eu M. Paul Vachon, qui est le premier récipiendaire. Et Mme Ghislaine Gervais aussi, qui est à la société depuis de nombreuses années. Qui est venue faire deux émissions avec moi cette année. Ça fait que vous êtes le troisième récipiendaire de ce prix, le prix Cléophas Adams. Je remercie beaucoup la société de cette reconnaissance-là. Mais j'invite tout particulièrement les gens de la région. C'est un très beau passe-temps pour les personnes. Ça, puis la salle de conditionnement. Surtout les personnes âgées, là. Je les invite à venir. C'est dans la même bâtisse. C'est dans la même bâtisse. Puis la bibliothèque, là, c'est pour les personnes âgées. On devrait fréquenter plus la bibliothèque. Un petit heure de conditionnement, un autre petit heure de généalogie. C'est ça. Ça passe le temps. On fréquente des gens qu'on connaît, puis des amis qu'on a déjà reconnus, puis on connaissait autrefois quand on était jeune. On se fait beaucoup de connaissances, puis ça fait du bien. Si on parlait maintenant, puis vous appelez, on l'a dit depuis le début de l'émission, Roger Lafrance. Oui. Mais vous auriez pu vous appeler Roger Dubois. Il y a eu une question, là, ça a changé le nom, là. Vous pouvez vous expliquer dans quelles circonstances que Dubois est devenu Lafrance? C'est assez amusant un peu, là. C'est intéressant de savoir. C'est assez curieux, pareil. Lorsque les Dubois ont parti de Saint-Ferdinand, mon grand-père, il s'est emmené à Disraeli. Il a eu, avec sa femme, puis ils ont eu un enfant d'Israélie. Après ça, ils ont déménagé au Lac Noir, à Black Lake, c'est-à-dire. Puis ils ont eu deux garçons, là. Et ensuite, ils ont descendu à Tête-Fort-Main, à Saint-Maurice. Puis dans la rue Alfred. comme on parlait. Puis, Puis mon père, tous ses frères à mon père sont venus au monde à Saint-Ferdinand d'Halifax. Alors, tous ces garçons-là, mon père puis mes oncles, sont installés à Saint-Maurice. C'était Dubois-Lafrance, là. Mais ils s'appelaient tous Dubois-Lafrance. Mais le curé de l'endroit, quand que ces oncles-là ont eu des enfants, le curé disait, « Mais voyons, pourquoi t'appelles tout le temps ton garçon, tu veux l'appeler, toi tu t'appelles Dubois-Lafrance? » Mais pourquoi tu ne l'appellerais pas la France seulement? Vous êtes connu sous le nom de la France à Saint-Maurice. Tout le monde vous parle, vous nomme la France. Jamais Dubois. Ils ont dit, pourquoi vous ne nommez pas vos enfants la France? Alors là, s'est installé le nom de la France Dubois. C'est curieux, pareil. Toutes mes oncles ont appelé leurs enfants, les frères de mon père, ils ont appelé toute la France. Même ceux qui sont installés à Saint-Maurice, puis à Tatford, mais particulièrement à Saint-Maurice, il y a eu même un frère de mon grand-père, il a été échevin à Tatford en 1899. Puis il décède en 1900. Puis il appelle Dubois la France, il est baptisé, mais... Quand il décède, je crois qu'il décède sous le nom Élisée La France comme mère. C'était curieux pareil. Le Dubois. C'était un Dubois, mais virant La France. C'est ça. Le Dubois. Qui était reconnu juste. Le nom de Dubois a disparu à ce moment-là. Puis c'est curieux pareil. Tout. Puis si on prend mon grand-père ou ses frères à lui, il y en a beaucoup qui sont descendus à Black Lake. Les autres, ils ont gardé tout le nom de Dubois. Ah oui? Ils n'ont pas pris le nom de la France du tout. Ils ont gardé seulement le nom de Dubois. Il y avait le nom de Dubois-la-France, comme mon grand-père. Mais ils ont descendu vers Black Lake, puis là, ils se sont fait appeler Dubois seulement, pas la France. Alors, comme Gervais Dubois, le dentiste, son ancêtre,
C'est un Dubois à la France. Ça fait que vous avez de la parenté, si je peux dire, qui s'appelle Dubois. Oui. Puis donc, qui s'appelle la France, mais vous êtes... On est un lien de parenté. Vous êtes parent pareil, une parenté proche même. Proche. Mais pas le même nom. Oui, parce que les grands-pères, comme le père à Gervais Dubois, et c'était quasiment comme mon cousin. Ben oui, oui. Par rapport au grand-père. C'est tout ça à cause d'un curé. À cause d'un curé de Saint-Maurice. Oui. C'était pas un mauvais gars, mais quand même. Lui, il trouvait ça trop long. Trop long à écrire, je suppose. Puis il n'était pas comme les notaires. Parce que les notaires, dans le temps, écrivaient au mot. Ben ils étaient payés au mot. Ben Tandis que les curés n'étaient pas payés au mot. Non. Ils étaient payés juste 5 piastres pour rédiger un certificat de baptême. Ben ouais, l'acte de naissance. Naissance ou quoi que ce soit. Ben ouais. Alors, c'est pour ça qu'ils coupaient autant que possible dans l'écriture, dans les textes. Oui, c'est très intéressant de voir cet événement-là qui se produit. Cet événement-là qui se produit. Ouais. Puis ça se produit dans plusieurs noms, ça. Ben on voit ça dans plusieurs noms. Mais aujourd'hui, si c'était produit au début de la colonie, on dit oui, dans ce temps-là, les noms changeaient. Il y avait des noms qui avaient les deux noms. Il y a des familles, ça a changé. Oui. Oui. Mais aujourd'hui, peut-être une centaine d'années, peut-être pas tout à fait 100 ans, là, que le nom a changé. Il a changé, là, comme ça. Là. Parce que, regardez, moi, j'aurais pu avoir... Mon frère, le plus vieux chez moi, c'est marqué Julien Dubois, la France. Puis je crois là, que là, le curé il a dit, là, c'est assez, la France, on va marquer les autres enfants. Parce que chez nous, on était 7. Ma mère a eu 12 enfants, mais les autres ont décédé. Mais il a resté 2 filles puis 5 gars. Puis les autres, ils ont tous pris le nom de la France. Mais Julien, lui, était Julien Dubois, la France. Mais il a gardé quand même le nom de la France. Oui, étant donné que les autres s'appelaient pareil, parce que mon père, il se faisait appeler la France. Puis c'était un Dubois, la France. Monsieur la France, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On a passé deux belles émissions ensemble. J'espère que les gens apprécient tout ce que vous nous avez raconté de votre vie, là, assez tumultueuse, on peut dire. Là, oui. Vous avez... Le travail, les loisirs, les voyages, tout. Vous avez une vie bien remplie. Bien vous êtes encore en forme là, à votre âge. Ah oui, puis ça va me faire plaisir de participer encore longtemps à la société. À CZT. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Une page d'histoire.